Après le premier lâcher réalisé en Vallée d'Aspe hier matin, la deuxième ours slovène a été lâchée dans la vallée d'Ossau en Béarn ce vendredi. Le transport de l'ours se serait de nouveau fait par les airs. L'entreprise Léa Nature fête son 25e anniversaire. Avec un chiffre d'affaires de 366 millions d'euros en 2017, on peut dire que la société a le vent en poupe. Une nouvelle usine de cosmétiques bio est actuellement en chantier sur le site de Périgny. 100 millions d'euros vont être investis dans cet outil dernier cri en matière énergétique. Près de 500 personnes devraient être recrutées d'ici 2020. La dune du Pilat servira de décor pour un film sur Laurence d'Arabie la semaine prochaine. L'anglais Mark Griffin a eu un coup de cœur pour le lieu qui lui permettra de réaliser certains flashbacks ayant lieu dans les dunes des déserts d'Arabie. Un choix dicté également par des raisons financières, le film étant un film indépendant. Le long métrage qui s'intéresse aux dernières années de la vie de Sœur Laurence devrait sortir en mai 2020. Cette semaine marque le lancement d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Ainsi, de nombreuses manifestations ont lieu tout au long du mois d'octobre. Le comité féminin 47 a même réalisé son premier clip pour l'occasion. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur neuf sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie.